T'as déjà vu comment ils font le faux sang dans les films? C'est hyper intéressant. Genre quand tu fais semblant de te couper la main avec un couteau bien aiguisé, il y a plein de sang rouge foncé qui gicle direct. Ça surprend à chaque fois. Le truc encore plus ouf, c'est quand tu balances un verre d'eau dessus. L'eau fait disparaître le sang et, magie, il n'y a plus aucune blessure. Comme par enchantement. En fait, c'est pas du vrai sang, c'est une réaction chimique. Cette réaction, on l'appelle une blessure chimique. Et pour le faire, c'est super simple. Il suffit de mettre une solution de sulfate de potassium et de chlorure de fer sur le couteau et sur la peau. Quand ces deux liquides se touchent, ils réagissent direct et ça donne du sulfate de fer, le liquide bordeaux qu'on voit. Cette réaction, c'est la réaction de l'aumône. Pas besoin de catalyseur ou quoi que ce soit, dès que les liquides se rencontrent, bam, ça réagit. Même sur du papier toilette, si tu passes une fourchette dessus après, on dirait que le papier saigne, ça a l'air trop vrai. Et le truc qui fait disparaître le faux sang, c'est une solution de fluorure de sodium.